Malheureusement, j'ai été un peu coupé, mais j'ai plusieurs quêtes. Des plantes pour Sarah. Salut. Corporal, nice to see you. Hey, Sergeant. Still breathing, I see. C'est quoi ce commentaire, déconne? Ouais, on verra. Toujours est-il que je n'irai pas chercher le lecteur MP3 de Weaver parce qu'il y a une putain de horde. Donc, ce que je vais faire, mauvaise touche, c'est que je vais faire un des autres trucs. Alors... Oh non, c'est une mission histoire en plus. Oh non, j'y crois pas. Oh non, j'y crois pas. J'ai encore lu LOL et désordre. Hein, protéger les... Tiens, c'est quoi? Allez hop, je vais faire ça. Non, tu vois, je peux pas les écraser. Et je vais en profiter pour me gratter les oreilles. Voilà. Ah. A short while ago, I stood here before you and grieved for the loss of Captain Jimenez, our only doctor and my very dear friend. And for what great purpose did Captain Jimenez perish? So that a drug addict, a worthless excuse of a human being, could get high. Jimenez died because he stood between a junkie and a bag full of narcotics. Excuse-moi, j'ai cligné des yeux, tu disais? I have taken steps to see that this never happens again. Oui, dit-il en faisant ses grands gestes encore. I have moved Lieutenants Whittaker and Weaver into the Ark. Where they will be under protective watch 24 hours a day. Ah, d'accord. The call is going out. Any person with highly trained knowledge and skills, skills that cannot be replaced, mechanics, engineers, scientists, medical personnel, are to be taken from active duty and removed to the Ark. Until this war is over. Ok, donc ça a un soupçon de sens. C'est seulement maintenant que tu comprends ça? C'est pourtant un classique, des trucs de zombies. Oh tiens, je vais en profiter pour me soigner. Non, attends. Ouh. Boîte de nuit. Ok, donc... J'ai pas envie de me refaire une horde. De te faire foutre, Weaver. Je peux pas me téléporter quelque part, là? Attends, j'avais pas dépouillé un camp? Oui. Non, c'est pas là. C'était où le camp? Le camp où je peux me téléporter parce que je l'ai investi. C'était plus haut, je crois. Ouais, tu vois, c'est là, donc ça me rapproche pas. Allez,
Aïe. Oh, oh, mon oreille. Oh, mon oreille. Allez. Attends, mais j'avais pas genre 200 oreilles de mutants? Ça veut dire que j'ai tué 200 zombies? Sérieusement? Remarque, je suis pas vraiment étonné en vrai. Je demanderai l'arbitrage vidéo, mais je crois avoir vu que j'avais 265 oreilles de grouilleur. Kilomètre 4, eh ben c'est parti. Ah, c'est le chocolat. J'avais un arrière-goût dans la bouche. Un arrière-goût de foutage de gueule. Ah! Je t'entends pas, je veux pas t'écouter. Je m'en bats les couilles, frère. Green Hardy College, the one east of here off Highway 97. Yeah, that's the one. The fighting platypus or some shit. Anyway, when I bugged out, I left everything behind and closed my door. Shit, I gotta go. Ready to leave when you get there. We're out. Sure, non. Weaver, whatever you say. Juste non. Bon, au moins je suis pas mort. Ah mais attends, c'était... J'ai roulé sur un piège? Non. J'ai pas envie. Non. O'Brien. O'Brien. Come in, O'Brien. Pourquoi il appelle O'Brien? Ah bah tiens, je me demandais si on allait encore entendre parler de lui. Non. Non, Weaver, non. Anything else? I mean, come on, these all kind of look the same. Patriotic. All right, well, I'll have a look. St. John out. J'étais en pleine conversation avec O'Brien là, tu permets? O'Brien. Come in, O'Brien. I know you're on this channel. Drifter. Oh putain non, ça reboot la conversation. Putain, le pauvre, il va jamais finir sa conversation. Ah non, pas la flotte! Pas la flotte! Pas la flotte! Pas la flotte! J'ai pas de ferraille! Ah bah si, j'ai réussi. Attends, il y en avait deux. Mmh.
C'est ça. C'est ça. Hemlock, yeah. Hop, en voilà une autre. And here's some more. More hemlock. C'est quoi? Need more hemlock. Je pense que je vais juste... Je vais réessayer. Vraiment une dernière fois. Mais ce qui me rend ouf, c'est que j'ai été dans sa tente à la con, là. Mais pourquoi il était pas, le truc? Je réessaye une fois, parce que c'est une mission histoire et que je dois la faire. Eh hey monsieur, arrêtez-vous, vous avez quoi dans votre sac? De la ciguë! Ok, circulez. Juste un peu plus. Attends, ça veut dire que c'est peut-être dans la même zone. Ouais, c'est pas loin. Ouais, là encore, je fais pas de favoritisme, hein. Je vous rends tous les deux services, alors arrête ta paranoïa à la con. Non. Oups. Pause pub. C'est juste aller voir Brian. Ça, d'ailleurs, c'est marrant, je me rends compte que lui et Weaver s'appellent tous les deux James. C'est un nom courant, genre, ou... Ok, donc, le drapeau. Down you go. Alors du coup, c'est la journée qui sort le Mutlus ou la nuit, je me souviens plus. Non, j'ai l'impression qu'il y en a. Ils sont où? There's the flag. Still flying. Et merde, j'ai cassé ma hache, j'ai oublié de prendre l'autre truc. Here, bon bah c'était facile. Trouble, Weaver. Lol, fuck this shit, I'm out. Corporal St. John, this is Colonel Garrett. Report.
Yes, sir. Corporal, good, yes. Excuse-moi, colonel, je fais un truc, j'arrive tout de suite. Hop là. You were saying? Corporal, good, yes. Another traitor was discovered in our midst. A spy working for the anarchists. Anarchists? Yes, remember. He escaped before he could be apprehended. He was chased north, but our patrol lost him. I've marked the position he was last seen on your map. We need him alive. Oh, ça c'est terrible, ça, je crois. We need to find out what he was doing here, how much he knows. Yes, sir. I'll do my best. As do we all. As do we all. Dismissed. Oh, vas-y, va te faire foutre. Pendant un affrontement, tu te fous de ma gueule? Ah, mais le voyage rapide va peut-être pas marcher comme ma moto est cassée. This is Ricky to Lost Lake, come back. Oh! Yeah, Ricky, what's up? Ricky! Boozer! Can you hear me? Deacon to Lost Lake camp, come back. Just, checking in to see what else Addie needed. She... Damn it, Ricky, I don't know. Oh, Iron Mike said... Boozman! Ricky! Well, give him hell, Boozman. Give him hell. C'était quoi ce truc random là? Ah mais attends, le système c'est pas justement que les hordes rentrent dans les caves pendant la nuit? Là j'ai bien fait d'y retourner la nuit. Oh putain merde. Attends, je vais à Wizard Island, c'est ça. Caleb! Ma moto a besoin que tu la sauves. Va chier. C'est sûr que c'était un peu plus facile de fouiller sans avoir 50 zombies sur le cul. Encore qu'il n'y aurait pas eu place, lol. What the hell? Voilà, je suis presque arrivé. Grimpe! Bah théoriquement si, vu que c'est fait nuit.
donc 300 mètres. Ah merde, j'ai couru tant que ça. Ok, soit. Je suis malade, parfaitement malade. Et même que j'ai cassé ma hache. Alors. Et madame. Regarde, je fais des squats. Ouais, ça sert à dire fuir devant ma grandeur. Ça, c'est un truc que j'ai toujours, qui m'a toujours fait tiquer dans les jeux de vidéo. Bon, ça ajoute un peu une dimension fictive au truc. Mais ça là, le fait de marcher accroupi, je comprends pas comment ils font ça. Question de gros lard, hein, excusez-moi. Officers only. D'accord, soit. C'est l'estrade où Adolf Hitler il fait... Oh merde. Où Matif fait ses petits discours. Wesh. Corporal St. John. Sarge, you avoiding those wooden nickels? Marchand, pas besoin. Move along, buddy, move along. Bonjour Caleb. Deke. Corporal. Hey. Sarge. Yeah, I can fix that. Merci. See you, Corporal St. John. Pourquoi que non, je. Ça va juste servir à utiliser mon essence. Jimmy Jim. Hey. Hey man, how'd you do? This is all I could find. Hey, what do we have here? Oh. Brother, you a lifesaver, dude. Right on. do you need anything else, Weaver, do you need? Totally. Ooh. Hey, Corporal St. John. You one of the good ones, man. Brother from another mother. Oh, c'est mignon. Ah, j'ai gagné un point de compétence tout à l'heure, c'est vrai. Thank you, Corporal. I hope you were careful. This is very toxic. Yeah. Bah, comme tu vois, je suis red mort, madame. Corporal. Encore? Thank you this time. As you were. Thank you.
Il y a marqué quoi? J'ai pas lu. Eh hey, madame, je lis pas le stylo anglais alors, en tout petit, hein. Ouh, carreau empoisonné. Attends, j'ai débloqué deux trucs là. Il y a ça, c'est pas une vie. Appelez Boozer. Ok, je vais commencer par faire ça. Infirmerie, non, c'est pas par là. Ah bah c'est un outil qui est clairement, ça c'est cool. C'est pas par là non plus. Merde, par où je suis arrivé déjà. C'est la tente de Sarah. Ah, par là. Moto trop éloignée. Fuck! Donc, ma moto, tu es tellement loin de ma moto. Concrètement, je crois que pendant le jeu, j'ai dû dormir peut-être deux fois. Un truc comme ça. Nicole ne dort pas. Il n'a pas besoin de dormir. Hop, et donc je peux me téléporter directement là-bas. Oui. C'est sûr que vu ta tronche, James, a priori on n'est pas frère. Hein. Ah, ça fait plusieurs fois hein, que j'entends genre le truc du talkie-walkie et puis qu'il n'y a rien. Allô, allô, le scénario appelle William le Magnifique. Boozer, you there? Lost Lake Camp, come in. Deke, it's good to hear from you, brother. How's it going? Tiens, j'ai l'impression que déjà vu. Everything's fine. Boozman, it's, I'm okay. Yeah? Bullshit. How long did we ride together? What's going on, brother? Bon. Look, Sarah. It's a long story, but she's part of the militia down here. She wants to come back with me, but now they're forcing her to stay, Boozman. They're not gonna let us leave. What the hell? Forcing you to stay? Jesus, Dean, where are you? Okay, I'm gonna grab Iron Mike, Ricky, some men. Look, we'll find a way. C'est bon, c'est bon, Booz, c'est bon. T'inquiète. They got hundreds of men. And they are armed. Shit, they stole from the National Guard, the military, and the... C'est bon, t'inquiète. I don't give a shit what they got. We're gonna... Oh, goddammit, listen to me. Non, c'est bon, t'inquiète. We cannot let the colonel, their leader, find out about Lost Lake. He's crazy, Boozer. Batshit fucking crazy. The militia, they're attacking every camp that they come across. Drifters, squatters, campers, makes no difference to them. Oh, Jesus, Deke. Look, I got this. Voilà, reste de l'autre côté de la montagne, frangin. On va... Non, dis pas ça. Voilà. Alright, that's more like it. You're cutting out of it. I can't. Deke?
Ah, c'est même pas 600 mètres. Mais du coup, il va venir me rejoindre de l'autre côté de la montagne. Comment ça se passe? Ben, je maintiens que je voudrais bien le voir sans son casque. Le petit O'Brien, qui est bien mignon. Enfin, bien gentil. Allez, O'Brien, montre-moi ta tête. Non. Clairement pas, non. Yes, I'll come back later. Burn out these nests. Ah, le pont. Ah, je me souviens de ce pont. C'est là où j'ai poursuivi l'autre mec pendant je sais pas combien de temps là. Ah non, il y ressemble, mais je crois pas que ce soit le même. C'était de l'autre côté de la montagne. So, what do you want from me, O'Brien? Bryce is alive. You are? Hey, what do you want? I told you the infected, the freaks are mutating, some faster than others. Ouais. We placed a tracking bracelet on one of them, so that we could track it and stop it periodically and draw blood samples and check the progress of the virus. Okay, d'accord. It's wandered into militia territory. Right. We can't get close to it. Yeah, no fly zone, outpost with RPGs. Exactly. What's this? Once you've tracked it down, I'm gonna need you to do something for me. Mm-hmm. This pack holds everything you need to do a field biopsy. We need blood and tissue samples. Can you handle that? Yeah, I can figure it out. By the way, nice uniform, Corporal. Suits you. Suck it. Genre, il a même deviné son grade, juste en le voyant. Ah, mais il y a peut-être attendu. Ben voyons. Send a team in on foot. They never came back. Oh. Just let me know if you find them. We got people here looking for some closure. Ça marche. So, what else can you tell me about this freak you're tracking? We don't have all the answers. All we know is that the infected are mutating. We're mm-hmm. talking about leaping past millions of years of evolution. We think they're communicating with each other the way ants and bees and other. You know, to me, sounds like a whole lot of mumbo jumbo. Believe what you want. Once you see our test subject, you'll change your mind. O'Brien out. Ok, admettons, j'avoue que tu m'as rendu curieux, mon grand. Il a quel grade d'ailleurs, O'Brien? Je me souviens plus. You guys gonna be ready? Yes, we're standing by. Oh, Jesus. What's wrong? Freaker shit. Freaker shit everywhere. Eh! Hey, O'Brien, you got any idea what took out your men? Am I walking into a horde here? No idea. We never heard back from them. Remember, if you. Oh non, pas encore une horde. Pitié, O'Brien, ne fais pas ce coup-là aussi. Yeah, that changes everything. Yeah, I got it. Good. Take care of it out. Oh pitié, non, pas encore une horde. Pourquoi tu fais ça, O'Brien? How many men are in here? How many did you lose? Four men. Quatre. A researcher and three soldiers. Jesus, O'Brien, what am I doing in here? The researcher, Coop, is a personal friend of mine. You do this and I'll do whatever I can to help you get your wife, O'Brien, out. Ah. You know me, yeah. So while I'm tracking down your pet freak, give me some more mumbo jumbo. Tell me about the virus. I mean, something that I don't know.
For those exposed, the virus infection rate is close to 100%. In the first weeks, almost everyone under the age of 12 was killed. Something to do with how puberty, or the lack of it, affected the body's immune response. Everyone over the age of 60 mostly were also killed. Their bodies just couldn't handle the rapid genetic mutations on a cellular level. Mm-hmm. Everyone else who is exposed becomes transformed as the genes mutate. The thing is, the virus is mutating at an exponential rate. Oh? I know you keep saying that. What does that mean? It means that the infected subject, the freaker you're tracking down, isn't like any you've seen before. We've tracked and identified over 12 mutations. 12? Yeah, and that's just the beginning. You wouldn't believe some of the shit we've seen. Yeah, well, probably would. Say John out. Honnêtement, O'Brien, je pense que je te croirais. Aïe. Ah oui, on voit clairement mieux sans la lampe. Another flare. There's the last one. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais tomber dans un trou ou quelque chose. Surtout, reste sur tes gardes, mon grand. Ah. Ok. Voilà. Un autre flare. Bingo. Et voilà un chercheur. Merde, ça doit être la pote de... O'Brien, I found another one of your men. ID says his name was H.S. Patterson. O'Brien, I reached your guy and, he's dead. ID says G. Hernandez. How did it happen? Well, I'm not a coroner, O'Brien. How the hell do I know? Something tore him apart. This freak I'm tracking, is there something you haven't told me? Not that I'm aware of. O'Brien out. Je continue par là. Ah merde, attends.
Ah si, c'est bon. Par contre, là, je vais arrêter un petit peu dans pas longtemps. Il y a une histoire de goûter par ici. Hop, voilà un autre flare. Attends, je me demande si je reviens pas en arrière là. Non, on dirait pas. Non, je crois pas. En fait, si, carrément. Oh putain, quel débile. Brian, t'aurais pu me dire que j'allais à l'envers. J'aime pas cette musique. Les boules. Évidemment que c'est fait exprès. Oh. Through here. Et deux, trois. Non, attends, c'est quoi ça? Down there, maybe. Encore un cadavre. O'Brien, I found another one. ID says his name was Robinson. Ah, voilà le troisième soldat. Okay. Et on me donne des munitions. Let his family know. So, you guys have, families. Managed to get them all out while shit was going down? I'm not gonna apologize for being lucky. Luckier than most. Yes, some of us got our families out, not... Yeah, that doesn't look good. Excuse-moi, Brian, tu disais? What the hell happened? There's the... Oh! Brian, I found your last man. ID reads Cooper. Copy that. Oh, no! Jesus. Hold up, he's still alive. Hold on. Hey, Cooper, Cooper. Hey. Right here, right here. We're gonna get you out of here right now. Cooper? Cooper, come in. Sorry, shoot. What's up? Quoi, quoi? C'est bon. Relax. Oh, Jesus. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Cooper! His legs are broken. Oh non! I'm sending in another team. No. My shit's compromised. I'm not gonna make it. C'est bon, moi je respire. Get Chen in here now. Cooper, what the hell did this to you? What happened? I moved so fast. I just didn't see it coming. You told me that a freak did all of this. Richard. Un sprinter. Cooper, are you there? Oh non. Oh non, c'est trop triste. Oh non. Vous êtes sérieux? Je vais te tirer comme un lapin, tu vas voir. Tu sais ce qui est mieux que quelque chose qui court vite? Quelque chose qui attrape vite. Pourquoi? Parce que dès que tu vas t'approcher de moi, j'aurai mon joli petit fusil à pompe qui va te dire bonjour. Oh! The guys at the lab. Reacher. Reacher. What is it? It's got long arms, claws, what? No, it's just fast. We've clocked it.
Franchement, je m'attendais à pire. I don't know. Hell with that. I'm not aborting anything. This isn't your fight. Bah écoute, à partir du moment où tu m'aides avec Sarah, tu parles que c'est mon combat. Sprinter! Ah, t'es là. Putain, est-ce que t'es mou? Ah! Mitraille, mitraille, qu'est-ce qu'on mitraille? On mitraille quoi? Franchement, non. Franchement, non. Il est là-haut. Franchement, je m'attendais à largement pire. Bon, j'attendais pas du Wesker de Resident Evil non plus, mais... Ah oh putain, cette mandale! Cette mandale qui m'a mis enfoiré. Putain, je vais pas mourir maintenant, ce serait la honte. Regarde-moi ça, il est mou. Même les breakers, ils me font plus peur que toi, mec. Mec, j'ai affronté une horde aujourd'hui, tu crois que tu me fais peur? Putain, à chaque fois, je me trompe. Faut que j'enlève le zoom et ensuite que j'appuie sur la touche. Il est où? Je pense que je vais reprendre mon autre fusil parce qu'il a plus de munitions. Ah non! Je sais pas pourquoi, mais je sens le one shot là. Wow! Raté! Diova! T'apprendras à tuer vos problèmes scénaristiques. Bitch! Your samples. Hey John, get out of there. What? Get out of there now. There's a horde coming. Oh. Oh Brian, je t'avais dit de pas me faire ça. Shit, they're getting close. Yeah, it's time to finish these guys off. Sérieusement? Sérieusement, je suis obligé de la... C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai ramassé quoi là? Évidemment que je meurs. Ah, je te mords! Ah, tu mords!